Eh bien salut tout le monde, c'est Alex Nico, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la vidéo où je vais présenter les DLC du jeu WWE 2K15. Alors c'est parti. Alors tous ces DLC ils feront partie du Season Pass. Alors si vous achetez le Season Pass, vous aurez tous ces DLC qui seront dedans. Alors l'accélérateur qui va avec quoi vous pourrez avoir tout le contenu débloquable dans le jeu sans jouer le jeu sans en gros jouer le jeu le mode showcase et le mode who get NXT. Alors TK Showcase One More Match. Alors dans ce DLC vous aurez ouais c'est bon. Alors, vous aurez les rivalités entre Randy Orton et Christian en 2011 dans le mode 2K Showcase. Vous aurez Christian en catcher, Randy Orton, Edge, Mark Henry et Sheamus. Alors les arènes, vous aurez SmackDown, Extreme Rules, Over Limit, Over the Limit et Capital Punishment de 2011. Puis ici, vous aurez un autre DLC qui va être focusé sur les rivalités de Mark Henry et qui sera jouable dans 2K Showcase. Et il y aura Mark Henry, Big Show, Kane, Jey Uso, Jimmy Uso, Sheamus. C'est un peu bizarre parce que y a tous ces désirs, mais bon, c'est pas grave. Jimmy Uso, Sheamus, The Red Kali, Randy Orton, Daniel Bryan et Ryback. Alors en gros, les nouveaux catchers ce seront Great Kali et ce sera Great Kali. Alors dans Path of the Warrior, alors on va avoir des rivalités focusées sur Ultimate Warrior dans 2K Showcase. On aura le catcher Ultimate Warrior Hulk Hogan, André the Giant, Sergeant Slaughter. Mais en gros on aura Hulk Hogan et Hulk Hogan, André the Giant et SGT Slaughter en catcher. On aura aussi Honky Tonk Man, Rick Rude, Macho King et Colonel Mustafa. Et on aura aussi Undertaker des années 1999 et Hunter Ramsley qui est actuellement Triple H. Alors, et on aura des autres des annonceurs de ring, Howard Finkel et les managers Jimmy Hart, Bobby Heenan, Paul Bearer, Sherry, Sid Justice et Général Adnan. Puis les arènes, j'ai oublié de préciser les arènes ici, SmackDown 2011, Vengeance 2011, WrestleMania 29. Voilà, et les arènes, on aura WrestleMania 6, WrestleMania 7, WrestleMania 12, SummerSlam 98 de 91, Saturday Night Main Event 24 et Madison Square Garden. Alors, le pack est WCW, alors on aura les catcheurs Fit Finlay, Lord Steven Regal qui est actuellement William Regal, Bam Bam Bigelow, Diamond Dallas Page DDP et Lex Luger ou bien Luger, je sais pas. Le pack NXT Arrival, alors on aura les catcheurs JBL, Adam Rose, The Ascension qui comprend Connor et Victor, et on aura aussi la Diva M1. Puis le pack nouvelle prise, alors on aura plus de 30 prises. On aura la version altérée de Sister Abigail qui est performée par Bray Wyatt et le multi bucket wrenches qui est populairement fait par Cesaro. Voilà, tout ce qui est exclusivité du Season Pass, ça sera la Diva Page, l'accélérateur. Non, ça ne sera pas. On aura la Diva Page et les packs qui seront en exclusivité du Season Pack. Mais en gros, on aura que Page qui sera une exclusivité quand vous aurez acheté le Season Pack. Alors, et après si vous voulez, vous pouvez acheter tous ces packs là, comme ça en séparé. Voilà, sans acheter le Season Pack.
Alors, je voudrais vous préciser que le jeu est sorti il y a 3 jours. Ouais, il y a 3 jours sur PS3 et Xbox 360. Et il sortira le 18 novembre sur PS4 et Xbox One. Et le 21 novembre en Europe. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais sur Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon game à tous et salut tout le monde.